Hello, it's me. Et bonjour à vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Cozy Grove. On est à 70 jours. On a déjà libéré un fantôme. Donc on espère qu'on va peut-être en libérer un deuxième aujourd'hui. On n'est pas très loin de le faire. On n'est pas très loin non plus d'avoir un nouveau fantôme. Donc il nous reste moins de 20 bûches à avoir. Donc il nous en reste 18 à avoir. Pas très loin d'en avoir un nouveau, ce serait pas mal. Donc qui dit nouveau fantôme dit aussi nouvelle partie de l'île qui se dévoile, ça peut être intéressant. J'espère aussi nouveau pour avoir des badges, des nouveaux ingrédients pour la collection, ça peut être pas mal non. Hey. Alors. Les outils. Qu'est-ce que c'est le jour des œufs. Investissez dans les œufs, qu'il disait. Tout le monde aime les œufs, qu'il disait. Oh salut, tu veux jeter un œil à ma marchandise? Bah ouais, je suis pas là pour rien non plus. Qu'est-ce qu'on a déjà les trucs d'hiver? J'aurais peut-être pu attendre un peu avant de mettre les trucs d'hiver. Décoration, rat, décoration de vente, brique, délice. On verra ça après. Allez, oursine. Et voilà, ça recommence. Je suis venu sur la plage pour faire des ricochets, mais j'ai oublié mes billets. Tant pis, je vais encore passer une journée à imaginer que je fais des ricochets. Tracteur. Pneus, donc ça c'est au niveau de brin. Il va
va falloir aider Lucien aussi. Quoi, petit voleur. Petit voleur. Ça nous dit où maintenant, grosse tirelire, donc c'est juste à côté, c'est chez Lucien. Ici en bas. En fleurique. C'est oui. Chez Ursula. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai quelque chose. Qu'est-ce que t'as à vendre toi? Des bottins. Tableau. Télé. Une télé. Décoration des bottins, décoration des bottins. Or, vos vêtements, t'as quoi? Je prends rouge. D'accord. C'est le chaos, collègue. Magnifique chaos. Cousigrove croule sous les dettes et les débottins. La ville est officiellement en faillite. Et je n'ai même pas eu besoin d'enfreindre un seul des 3000 arrêtés municipaux pour y arriver. C'est le moment, collègue. À nous, l'acte de propriété municipale. C'est la mère qui l'a. Elle va bientôt se rendre à l'évidence. Tu pourras lui soutirer pour 3 fois rien. Ouais, mais je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Oh, c'est si facile que ça? Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La mère a passé toute sa vie à faire en sorte que Cozy Grove soit une petite ville parfaite. J'arrive et je commence à moderniser les lieux avec mes magouilles et mes gros sabots. Comme prévu, la ville traverse une mauvaise passe. Et en fin de compte, même pas de négociation à propos du prix ou du contrat. La maire se contente de donner l'acte de propriété municipale, comme ça. Quel tragique. Mais moi, ça me plaît. Donc on en conclut, t'es le nouveau maire, c'est ça? On va voir tout de suite Pierre Moussu. Si le jeu voudrait bien éviter de laguer. Je cherche des pierres rares, très rares même. Tu ne sauras sans doute pas les reconnaître. Hein. Mais si, je crois que je commence à avoir l'œil. Peut-être, mais tu restes profane. Quelque chose de joli n'est pas forcément important, comme la pyrite, elle brille, mais ne vaut rien. Les pierres que je recherche sont rares, mais ternes. Ok. Je vais voir par ici. Du côté d'Ursula. Ici, on a déjà une là.
truc de... Ouais, il est disparu de là. On va aller voir au côté d'Ursula. On vérifie par ici. Bon. Voilà. Chaise pliante. Côté d'Arjun. Prosper aussi qu'il va falloir aider. Celui-là. Ou toi je te tiens. Là on va passer à côté de l'éolienne. Pas de bâche. Chaise pliante du coup je trouve pas au niveau de Jérémy. Alors bien chaise pliante. Okay. Ça c'est bon. Albert il n'y a pas besoin de l'aider aujourd'hui. Sur une pierre ici. Ouais.
coup, comme on a fini Valentine, ça reste toujours éclairé autour d'elle. Château d'eau, c'est-à-dire quelque chose. On vérifie par ici s'il n'y a rien. Voilà. Ici, ok. On va aller voir au niveau du château de là-bas. J'ai une patate, j'ai une patate. Ici. Non. On va en profiter, on va aller rendre ça aux oursines. Ça a bougé ici. C'est Pierre et Cochet, c'est exactement ce qu'il faut, merci. Des coquillages. Sûrement là-dedans. Voilà, ici. Ouais, d'un banc fleuri. Mais putain, on en revient de là-bas. Tu pourrais me dire les nouvelles, ça a répondu comme une traînée de poudre. Et voilà que des animaux fantômes arrivent en masse à la boulangerie. Sur Cozy Grove, ces animaux sont vénérés pour la sagesse, pour leur sagesse et leur sagacité. Je ne pense pas que les autres ours apprécient ma cuisine. Alors pourquoi est-ce que ces animaux en raffolent? Une énigme. Mais il me manque un indice. Si tu pouvais découvrir quelque chose qui m'aiderait à comprendre, ça m'aiderait à avoir l'esprit tranquille. J'aurais dû me douter qu'un ranger pouvait m'éclairer sur ces animaux fantômes. Alors un peu de lecture. Les animaux fantômes arrivent dans les lieux chargés spirituellement sous la forme de breloques ou de bijoux. Il faut au sol, ils recherchent les conditions idéales pour commencer leur croissance et leur développement.
Qu'est-ce qui les pousse à venir dans cet environnement et de quoi se nourrissent-ils? Beaucoup pensent qu'ils puisent leur vitalité dans des sources d'énergie positive. L'énergie positive, on dirait bien que j'ai résolu l'énigme. Quand j'étais vivante, c'est l'amour qui attirait les clients dans ma boulangerie. J'aimais mes clients et ils le savaient bien. C'est pour ça qu'ils tenaient à me soutenir. Et c'est pour ça qu'il leur a été difficile d'être honnête avec moi au moment où je jugeais mes cuisines. Ma, la critique culinaire, je suis sûr, elle est très douée et elle sait très bien que je suis une mauvaise cuisinière. Mais ces animaux n'ont pas de papilles gustatives classiques. Ils se fichent de mes recettes. En revanche, ils ressentent l'amour que je leur transmets dans ma cuisine, exactement comme mes clients. On n'est pas loin de la libérer, hein. Pas tarder pour Allison. Normalement, la prochaine fois qu'on l'aide comme il faut, on la libère. Du coup, je disais en Floride. Passage en Darwin. Je n'aurais pas vu mes outils dans le coin par hasard. Table à banquette, ok. C'est où est-ce que c'est? Là, je ne vois pas. Poser ça. Il y a quelque chose. Je veux bien, moi. Voilà. Et là, il me disait... Adepte, j'aimerais recommencer à prêcher devant les citoyens. Et bien longtemps, je prononçais mes sermons devant un autel sacré d'une grande beauté. C'était un artefact des plus inspirants. Malheureusement, cet autel a été détruit. Une foule barbare l'a réduit en pièces. C'est un souvenir douloureux. Je ne souhaite pas en parler davantage. Dis-moi, tu sembles apprécier l'artisanat. Tu as même l'air d'avoir un talent. Si je te donne des instructions, pourrais-tu m'aider à créer un nouvel autel digne de la foi? La recette. J'ai manqué juste un peu de... Comment dire? D'arrête. C'est un qui l'a pris, oui, c'est ça. C'est lui qui l'a pris. Voilà. On va voir Pierre. Tu as trouvé des pierres rares, tu m'impressionnes. Ça se voit, ça t'ennuierait d'être un peu plus expressif.
Ça se voit. Ces pierres ont l'air banales, mais en réalité, ce sont des fragments de météorites. Elles ont parcouru des millions de kilomètres dans le vide froid de l'espace pour atterrir à tes pieds. La même chose est vraie pour tout ce qui nous entoure. Chaque particule de ton corps est en fait de la poussière d'une étoile qui a explosé des milliards d'années avant ta naissance. ça fait réfléchir, pas vrai? Ok, c'était Force Walking. Allez. Encore des plaisanteries. Les gens se moquent quand ils ne comprennent pas. Mais les pierres se contentent d'exister, c'est ça que j'aime chez elles. Bon, je ne fais jamais d'échange normalement, mais aujourd'hui je vais t'en proposer. L'histoire progresse. D'accord. Important pour quelqu'un. Je demande bien qui est-ce qui va bien pouvoir nous demander ça. Pierre-Louis, peut-être. Ce serait pas étonnant de la part de Pierre-Louis. Un nouveau badge. Nourrir 100 diablotins. 2700 pièces anciennes. Ou le prochain, c'est 300. Là, on est découvrir 250 pièces spirituelles. Réconforter 10 diablotins. Là, 100, 350 tas. Il a 1000 tas, on est à 84%. Là, 500 pierres, on est à 74%. Il a récolté 500 arbustes, on est à 95%. Ça va. Du coup, on va donner ça à Arjun. Ah, tu les as trouvés, ça sert peut-être à rien de réparer ce vieux taco. Ouais. Bon. Déjà, il faut aller voir Jérémy. Je crois que ça me permet de parler pour l'aider. Francesca aussi. Hey, on a du monde à aider aujourd'hui. L'air de rien. Est-ce que tu pourrais m'aider? Salut partenaire, tu es encore en pleine croissance. Je suis sûr que tu dois avoir bon appétit. Je pense qu'il faut, je pourrais te préparer un peu. Il me manque des fruits secs, d'accord. Bon, allez, je fabrique un truc. Je t'avais pas fabriqué. Et du coup, tu veux des fruits secs, mais j'ai pas de fruits secs. Je vais déposer des trucs. J'ai peur de place. On va d'abord brûler les trucs. Ça. Oui.
Alors, ça. 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 Ça, oui. Alors, voyons voir un peu. C'est bon, 52, d'accord. Là, par ici, on est à... Ça, c'est bon aussi. J'ai de la poudre, comme ça, il faut des fous secs entiers. Ça s'est bien passé là, donc ça, c'est... Quelle? Bon, vite, on va vendre ce qu'on a en plus. C'est que j'ai dû reçu là. En repensant à Francesca, j'ai ressenti une immense tristesse m'envahir. Qu'est-ce qui t'en triste? Oh, la façon dont ça s'est terminé, j'imagine. Francesca a toujours été très détachée de moi. Quand son père est parti, elle a pris la décision de quitter la maison pour vivre auprès de lui. Tous les enfants finissent tôt ou tard par quitter leur mère, mais... C'est différent quand ça se passe comme ça. Tu n'es pas d'accord? Laisse-moi t'expliquer. Tu as rencontré une ours du nom d'Oursine Pelage. L'ours surfeuse? Cette oursine, elle trône toujours près de la plage. Elle est têtue comme une mule, un peu comme Francesca en quelque sorte. Rapporte-moi quelque chose d'oursine, rien d'extravagant, un coquillage par exemple. Quel magnifique coquillage, c'est exactement ce que je cherchais. Et maintenant, admire la magie du jardinage avec du temps et un peu d'entretien. On va voir ce qui pousse. Ici. Là, du coup, on va voir les noix. Là c'est bon. Jérémy. Après on a Francesca et on a Patrice aussi. Il faut que j'aille voir aussi Prosper pour faire son truc là. Alors du coup, ça on est d'accord. Tout fruit brut, on va mettre des framboises. Tout brut racine, on va mettre des pommes de terre. Parfait, merci. La cuisine exige d'être patient et minutieux comme l'artisanat. Voilà pour toi un délicieux panier de pique-nique. Deux panna cotta et des légumes marinés.
m'explique comment tu fais ça. Alors que Allison, il faut plein d'ingrédients pour faire tout ça. Est-ce que c'est bon? On va donc voir Francesca ce qu'il faut. Tu pourrais m'aider, je ne manque pas d'inspiration aujourd'hui. C'est ce que tu accepteras de m'aider à trouver le matériau. Allez, tiens, c'est parfait. Maintenant, sculptons ces bâtons de rondin. Ça va. Ok, du coup Patrice, on est juste à côté. Est-ce que tu pourrais m'aider? Eh vas-y, envoie-nous chercher du courrier. Quelle belle journée, paru stagiaire. Et figure-toi que je suis encore chez mon poste. Bon, on a compris ça. J'y suis, je vais récupérer ma commande. Voilà. Ça vous disait banc, en fait, 3 pneus, d'accord. Chaise de maître nageur, d'accord. Pas de la fenêtre d'une chapelle. Ça tombe bien, c'est là-bas où est-ce qu'on va. Si tu peux trouver un emplacement pour mon hôtel et reviens me voir. Beau travail, écolite. Cet hôtel est superbe. Pendant les nuits les plus sombres, nos fidèles sont rassemblés devant cet hôtel sacré. Nous festoyons et rendions grâce aux grands esprits. Les clercs et les laïcs, les princes et les pauvres, tous ensemble et unis. Ah, partager une même ferveur, unir nos âmes et nos esprits, célébrer la fraternité. Merci, jeune écolite, de m'avoir rappelé ce sentiment. Eh ben, aujourd'hui, on récupère pas mal de bûches. Hein. Ça s'est trouvé. Donc là, on a dit chaise de maître nageur et les 3 pneus. Ça. Tout à fait. Tu m'as dit pour chasse-le. Donc ça, pas de forge. Chasse de maître nageur, on y voit ça. Ça. Château d'eau, il y a quelque chose.
bois. Château d'eau. Profiter pour ça. Qui est là-bas en haut. Oui, il saute. Juste à côté, il doit y avoir quelque chose ici. Je veux bien. Sinon, il y a le crâne. On va par là. Non. Reste là, toi.
château d'eau, ça va de l'autre côté. Ouais, parce que j'ai pas vu l'autre côté. Rassure pas du tout. Là, on a un château d'eau, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on demande à Charlotte. Hein. Bien là. Ah d'accord, celui-là je n'avais pas vu de château. Ouais d'accord. Hop, tu as un vrai nom pour ce métier, quand je ne serai plus là, c'est toi qui devras relever le courrier. C'est bon, Pierre Moussu c'est bon, Brun c'est bon, Alison c'est bon, Jessica c'est bon, tout le monde est bon. Ouais, on n'a plus qu'à passer chez M. Kit. Récolte maintenant, ok. On a déjà à vendre. On achète la bûche esprit. Ça. Le trésor, ça. Là. C'est effrayant, ouais. Un, deux que j'ai pas. Trois, quatre. Quatre pots que j'ai pas.
Ça j'ai. Je reprends un truc comme ça, voilà. Un fruit, premier. Dommage, c'est qu'on n'a pas la taille. Ça me vient, ça c'est un peu. Du coup. C'est pas brûlé. Voilà. Alors, ranger ça. Voilà, c'est bon. Mais d'accord, les brochettes, c'est bon. Les légumes racines rôties, c'est bon. Il en faudrait 16. Voilà, comme ça c'est bon. Du coup, on va te donner une bûche. Il n'y a plus de bûche pour aujourd'hui. Je vais revenir demain. Voilà. On va aller planter, déposer les pots de fleurs. Pas très heureux lui. Et tout ça, on va aller voir Albert. Vois toi là bas je sais toujours pas où est-ce qu'il est ton copain, hein. C'est peu toi là bas où c'est pas des fruits que tu voulais. Non, tu veux rien. Ok.
Voilà. Ici. On va les vendre. Je peux pas vendre tout de suite. Si je te vends mes tout ça, on sait jamais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Tofu, j'en ai deux. Ok, trois. Ah, comme ça me fait ça de mon de sac. C'est pas énormément. Ça j'en ai 3, ça j'en ai 1. Ça j'en ai 2, ça j'en ai 2. Ça j'en ai 1. Ça j'en ai 1. Ça j'en ai 2. Ça j'en ai 1. Ça j'en ai 5. Ça j'en ai 1. On va faire de ça. 5. Voilà. Ça va très bien comme ça. Bon. Du coup, maintenant, on va voir ce kit pour lui vendre. Que j'en trouve. Alors, ah oui, du coup, j'ai pas mis ça là-bas. Décoration influente, on va ramasser. Je vais le laisser plutôt ici. Il passe là. Pour l'inquiétant. Vivante, pas l'ordinaire. Je vais te mettre un peu plus de trucs, mais pas ordinaire dans ce que tu aimes compenser. Ça comme ça. Du coup, je vais m'arrêter là ce matin. On va se retrouver cet après-midi pour du Isaac. Voilà. Je remets un petit peu de musique.
Voilà, je vais voir chez qui je vais pouvoir vous envoyer ce matin. Pas grand monde de connecté ce matin. En plus, c'est quelqu'un sur le petit groupe. Voilà. Hop, donc moi je vous mets déjà les petits réseaux sociaux pour que vous puissiez voir à peu près pourquoi me suivre. Je vous dis donc à cet après-midi pour ceux qui veulent voir du Isaac, à demain matin pour ceux qui veulent voir la suite de Cozy Grove, donc demain jour 71. Moi je vous dis donc à la prochaine dans la bonne humeur, si vous n'oubliez pas, restez positif. Allez, salut!